Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'immense joie pour un colis que je ne pensais pas qu'il serait aussi gros. Et plus je les vois, ces colis à elles, plus ils sont gros. Donc, je parle bien entendu de mon paradis livresse qui m'a encore envoyé un colis pour cette fois-ci Noël. Et voilà la taille, je crois que c'est le plus gros que j'ai eu. A savoir bien entendu que moi je lui en ai envoyé un. Je ne sais pas si elle en fera une vidéo ou si elle garde pour elle. Moi j'aime bien faire des vidéos là-dessus. A savoir aussi que moi j'ai tapé dans la papeterie. Donc ce qui fait que mon colis, honnêtement, déjà il est minuscule par rapport au sien, hein, soyons honnêtes. Et ça me fait un peu, j'ai un peu les boules parce que je comptais de base lui faire 25 cadeaux pour faire un calendrier de l'Avent. Je n'ai pas réussi et donc je l'ai prévenu quand même à l'avance en lui disant j'ai pas 25 cadeaux par contre, hein, j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps, j'ai pas trouvé l'inspiration. Et c'est vrai qu'on s'envoie beaucoup de cadeaux mais en fait on discute pas des masses, donc je la connais pas non plus par cœur, par exemple, comme je connaîtrais par exemple Professeur QWERTY ou Créa Kimi, voilà, où je connais vraiment par cœur leur goût, par cœur ce qu'elles aiment, etc. Donc c'est facile pour moi en fait de faire presque un sans faute, hein. J'avoue qu'il est possible aussi que je me viande, hein, sur un ou deux trucs. Mais disons que déjà pour ces deux filles-là, c'est plus facile pour moi. On parlait de Lily, ouais, c'est un peu plus compliqué. Lily, je commence à celle que tu as vue sur ma chaîne, donc Lily, je commence à bien la cerner déjà à peu près à ce qu'elle aime. Donc elle, ça doit être aussi un peu plus facile pour son anniversaire, qui est en avril. Mais voilà. Donc, je ne sais pas du tout si je dois ouvrir un truc par jour ou pas. Donc ça, c'est la surprise. Mais on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, je vais te montrer juste comment ça donne quand on ouvre le carton. Et c'est trop beau. J'en veux plus de ces colis, ils sont trop beaux. Voilà. Donc, tu avais la magnifique lettre. Voilà. Hop. Et on a... Et c'est une droguée de Noël, donc on voit qu'elle a fait vraiment les choses à fond. Moi, je le rappelle au cas où, j'aime offrir des cadeaux à Noël, mais je n'aime pas la fête de Noël. Voilà. Donc, si jamais, hein, y a une vidéo qui existe sur mon autre chaîne qui t'explique un petit peu tout ça, le pourquoi du comment. Mais voilà. Donc, à ouvrir en premier avec voilà, un travail de fou, de malade mental. Regarde-moi ça. À l'arrière, c'est pareil. Oups, j'ai un petit peu décollé le truc. Mais voilà, à l'arrière, c'est décoré. Ça, elle y passe un temps fou. C'est impressionnant. Moi, par contre, à savoir que tout ce qui est enveloppe comme ça, super travaillé ou lettres, tout est dans une boîte. C'est une sorte de grosse boîte à chaussures là, que tu peux acheter pour garder des choses. Et j'ai une grosse boîte à chaussures avec toutes les lettres. Une avec toutes les enveloppes comme ça qui sont travaillées. Ouais, j'ai séparé les deux. Et j'ai aussi, donc forcément, je garde tous les cadeaux qu'on m'offre. Je tiens à préciser. Voilà. Même les fameux colliers de pâtes offerts par Créa Kimi il y a très 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 longtemps. Non mais l'enveloppe elle sent bon. Qu'est-ce que ça a mis pour que ça sente bon? Elle a mis quelque chose parce que ça sent bon. Moi si tu sens comme ça, j'adore moi. Je te le dis direct. Hein? Alors, il faut savoir que des fois, il y a des petits trucs comme ça qui traînent, qui restent dans cette pièce. Et j'avais déjà un trombone en forme de nuage de la dernière fois qu'elle m'avait envoyé une lettre. Et là, elle m'a aussi mis un trombone en forme de nuage. Je me demandais qui m'avait envoyé ce trombone en forme de nuage. Ben voilà, j'ai la réponse. Oula, oula. Ouh. J'étais pas prêt. Il n'y a pas d'ordre pour le menu. Fais comme bon te semble. Je te souhaite de belles fêtes. Gros bisous, Coralie. Et à mamie. Alors il y en a un, je dirais plus que c'est Seoun. J'ai un doute. Et l'autre elle m'a mis Chubin en mode ouais. J'adore. Donc c'est deux chanteurs de K-pop du groupe EXO. Là je pense que c'est Seoun. Il fait plus fin, plus allongé. J'ai l'impression que c'est ça. Ah d'accord, c'est fait en deux petites cartes comme ça, d'accord. Alors coucou Evie, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi je suis heureuse car je t'ai préparé un petit des petits cadeaux, pardon, j'ai eu peur aussi, qui j'espère te plairont. Ça a été difficile de trouver certaines choses par peur de doublons, d'accord. Normalement c'était censé être un calendrier de l'Avent mais en retard pour ça, donc ça s'est transformé en un swap de Noël. Tu ouvres n'importe quel paquet donc il n'y a pas d'ordre dans le menu. Ok. Ensuite je sens le post. Je vais pleurer. Est-ce que je vais pleurer déjà? Est-ce que ça serait
Marc Outaï. Il n'y a pas l'info de... Taï. Je viens de comprendre. C'est le poster de Taï. Il est trop beau. Déjà, ça commence bien. Comment me mettre le sourire? Ensuite, on a les sortes de gommes, je crois que c'est des gommes. Hein. C'est pas des bonbons, quand même. Gélatine. Merde, ça se mange, ce truc? Ça se mange? Trolli. Ouais, c'est peut-être un bonbon. Bon, je demanderai parce que j'ai peur. Je pense que vous devez peut-être déjà savoir. De toute façon, je filme la vidéo, on est jeudi, elle sera postée lundi, donc ça sera assez rapide entre le jour où je l'ai filmée et postée. Donc voilà, et je m'excuse pour mes petits cheveux, j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Alors, je sais pas par qui commencer en fait. Je crois que j'ai commencé par les plus petits. On va se garder les plus petits en premier, même si ça veut rien dire. Et on va garder les plus gros à la fin. Voilà, j'ai vu deux petits, c'est pour ça. Mais moi, ça me fend le cœur, en fait, d'ouvrir... J'ai pas pris ma poubelle. Je vais faire une pause pour prendre ma poubelle. Ça me fend le cœur, moi, d'enlever ça. Regardez-moi ça. Ah, ah, il y en a partout. Ah, bah, t'es, je savais pas comment, moi, utiliser les miens. Ah, ça me saoule. Voilà, ouais, bon, bref. Je savais pas du tout comment utiliser les miens qu'elle m'avait offert comme ça de Noël, il y a bah, mon anniversaire. Et bah, je sais comment les utiliser d'ailleurs. Donc j'ai pas fait semblant, j'ai ramené mes deux poubelles. Ça c'est celle du bureau de base et ça c'est celle de ma chambre. Voilà. Donc c'est parti, on va attaquer ça tout de suite. Je vais essayer de pas faire ça, enfin que ça soit pas trop long pour toi. Mais j'ai pas envie non plus de cutter des passages ou quoi pour ou accélérer parce que je veux tes... je sais que voilà, quand j'ai fait ma vidéo par exemple sur ma figurine, donc du coup de Hatsune, pardon, Miku, je sais que ça vous a fait rire, rien que quand j'ai laissé le passage où je hurle parce que la figurine a failli tomber quoi. On commence sur des stickers, sticky bag, sticker bag. Yeah. Non! D'accord. Ce sont des stickers que l'on peut coller éventuellement sur sa valise ou quoi, avec les GOT7, je ne sais plus comment il faut les prononcer. Et donc il y a JB, Jackson, je vois surtout Jackson, hein, parce que moi c'est Jackson surtout que je kiffe, qui est là. Voilà, c'est trop marrant, ça, je savais même pas que ça existait ce genre de truc. Moi, je suis un team Wish et Wish, on n'a pas grand chose. Ah, il y a même des au fond. Je peux y arriver. Je voulais vous le montrer, mais merde. Attendez, je vais ouvrir parce que sinon, j'y arriverai jamais à vous le montrer. Et en fait, il y a même le logo de... Comment ça s'appelait le truc lumineux. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah, d'accord. Il y a même le logo en comme ça. Petit logo. Tlac. Voilà. Il y a ce logo. Il y a donc l'écriture machin. Il y a le logo avec comme ça. Après, il y a les noms des chanteurs. Il y a deux fois écrit le nom du groupe. Voilà. Et il y a surtout le bâton lumineux. Voilà. Clac. Hop. Je trouve ça trop marrant. Mais je savais pas que c'était des sticky bags, je pense. J'aurais plus pensé à des stickers genre pour la papeterie, quoi. Mais c'est trop fun. Voilà. Youp. On enchaîne avec du coup le deuxième petit que je t'ai montré tout à l'heure. Ça me fend le cœur de voir tous ces autocollants et tout ce travail. J'en fais. Quelqu'un a une idée pour recycler les ficelles parce que je. Ça me fait chier quoi de tout jeter en fait. Alors, je le dis, hein, mais entre grands guillemets, j'essaye de limiter le plus possible. Voilà, le plus possible. Hein. Mes déchets. Donc c'est pour ça que j'essaye de réfléchir à comment recycler ça. Parce que ça me. Voilà. Ça m'embête un petit peu de tout ça. C'est surtout le truc de Noël en fait qui m'emmerde avec ces papiers cadeaux qu'on jette aussitôt. J'ai vu moi qu'il y avait un truc à l'asiatique. Je suis pas en train de regarder exprès pour voilà pour garder la surprise. J'ai vu qu'il y avait des trucs asiatiques justement où ils mettaient un tissu, ils emballaient l'objet dans un tissu et après tu repartais avec le tissu. Ça c'est pas mal d'un côté parce que comme ça c'est vite le gaspillage. Oh un petit sac. Bah justement voilà ce genre de petit pochon. Moi j'adore ça. Voilà. Hop.
Hop. C'est un peu mou dedans. Je me demande ce que ça peut être. Cherche bien. Alors, il y a des petites fleurs comme ça de chez Action. Je sais parce que j'ai les mêmes et je les utilise pour mes photos. Mais il y a une bague, je crois. Non. Si. Non. Si. Si, si, c'est une bague. Mais alors, je voudrais pas dire de conneries. C'est pas une bague K-pop. Alors, je vois une lune et un. Comment. Ah, si, ça passe sur mon doigt. Ouais, si, non. Peut-être pas une bague forcément de K-pop. Je cherche forcément de K-pop parce que connaissant Coralie et qu'on est tous les deux fans de K-pop, forcément, voilà, je cherche forcément à ce que ce soit de K-pop, mais pas forcément. Voilà. Mais c'est très joli. Alors après, est-ce que ça va sur moi? Est-ce que vous trouvez ça me va, ce genre de bague? Voilà, j'ai les doigts courts. Enfin, j'ai les doigts courts. J'ai plus mes ongles, mais c'est trop marrant ça. En plus, j'aime bien parce que comme ça, j'aurai encore plus de petits trucs. Alors, j'ai dit déjà que. On verra tout à l'heure. Hein, les papiers cadeaux, on verra ça tout à l'heure. Je vais d'abord. Hop. Yop. Alors, je sais pas si tu verras, mais sur ma main, en fait, j'ai encore mon bleu. Alors, ça fait une semaine, là, que j'ai fait mon ballon. Aujourd'hui, on est jeudi et c'est demain mon ballon. Ah oui, d'ailleurs. Et j'ai encore le bleu du mercredi de la semaine dernière, tu vois. Qu'on m'a fait ma prise de sang. Ah, encore un pochon. Tu m'as entendu ou quoi, quand je viens de dire que je voulais éviter les gaspillages? Ah! Si, t'étais pas obligé. Ouais, bon, si, tu pour faire le truc joli, mais... T'étais pas obligée du coup de mettre du papier cadeau dedans. Mais c'est bien, ça, les pochons, comme ça je peux les réutiliser pour moi-même. Enfin, à la maison quoi, mais. Elle m'a refait le coup, c'est pas vrai. Elle m'a refait le coup avec les confettis. Ah, il y a du jaune! J'ai pas le jaune! Cool! Voilà. Quoi? Hein? Une glace Magnum, mais je pense que c'est une clé USB ou un truc comme ça. Allez, j'ai vu. C'était bien une clé USB. Est-ce que tu m'aurais mis des musiques de K-pop dessus, ma chérie? Ça pourrait être une idée. C'est trop mignon. Et comment tu veux que j'utilise ça, moi? C'est trop mignon. Moi, j'aime pas utiliser des trucs cute comme ça. Après, il faut voir combien c'est un modèle. Si ça peut être pratique pour les voyages. Bon, parce que bon, quand je pars en voyage, comme j'ai fait pour aller à Nantes, parce qu'à Paris, je n'avais... Oh, trop mignon. Je n'avais pas emmené mon ordi à Paris, et ça a été une grosse erreur. Bah, me trimballer mon ordinateur, plus mon disque dur, plus machin. Non, il n'y a plus rien dedans. Il y avait ça en plus. Trop mignon. Ça peut être pratique quoi, parce que ça prend pas de place. Alors, à mon avis, là, le bâtonnet il va très vite tomber, mais sinon, c'est trop marrant. Voilà, ensuite on a ceci, c'est un badge plastique. J'ai pas grand chose à dire en fait, je pense dessus. Je ne vais pas l'épingler sur ce suite, pourquoi? Je t'explique directement, petit pancha. C'est le suite du groupe VIX avec donc Léo. Et ce suite est tellement sacré que je n'oserais pas faire un petit trou. Déjà qu'à chaque fois, j'ai peur avec mes ongles d'accrocher, de faire le moindre petit défaut dessus. Alors, mais tu vas voir la prochaine fois que je filme. Tu vas voir que je suis désolée pour mes petits cheveux. Que je vais le mettre, ça c'est sûr. Non mais je me fais pas arnaquer quand même non plus hein, parce que les petits confettis comme ça là, les confettis de table, elles sont mignonnes, mais sinon je vais en foutre partout. Ah, il y en a deux. Est-ce que ça se mange ça, putain? C'est ce qui est marqué gélatine techniquement. C'est la matière des bonbons, non? Je t'ai pas montré celui-là, il y a marqué quoi? All one for Christmas, it's you. Eh oh.
Voilà, je ne sais pas si on voit quoi que ce soit. Je viens de voir que je n'avais plus beaucoup de batterie, c'est génial. Alors le truc, c'est que Coralie... Ah, elle scotche tellement même les emballages quand c'est des cadeaux que tu as toujours peur de défoncer le cadeau qui est dedans. Une palette de chez Action. Non, perdu. C'est quoi? Appuie. Hein? C'est ça. Alors attends, on va ouvrir ensemble, mais d'abord je te montre. Voilà. Oh, ça a coulé, non, ton truc? Non, c'est normal. Non, c'est normal, d'accord. Ah, ouais, je vois. Normalement, ouais, ça a dû couler, je pense, ou fuir, je sais pas. Mais c'est un cahier, tu sais, où quand tu secoues, t'as le sable et t'as les petits stickers là qui sont censés bouger. Mais là, je pense que le liquide, il est décédé. Et c'est un petit cahier où tu peux mettre la date en haut de tes notes. Ça, c'est pratique. Oh, ça, j'ai vu kiffer. Ça, j'ai vu kiffer l'utiliser. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. J'en ai jamais assez. Qu'il avait une odeur, mais pas sûr. Ça, j'en ai jamais assez. Enfin, si, parce que techniquement, récemment, j'en ai récupéré 3. Petits. Non, mais les plus petits, hein. Ouais, un tout petit peu plus petit que ça. J'ai un amas, là, de cordes. C'est impressionnant. Donc, cette fois-ci, on a ça. Et en plus, en ce moment, je suis à fond sur le pastel. Et là, elle a pas pu savoir. Hein. Mais au début, je suis allée chez Lily, je suis à fond sur le pastel. D'ailleurs, je me suis acheté pas mal d'accessoires comme ça, pastel. J'ai pris j'ai pris le collier comme ça que j'ai. Je pense que tu vois duquel je parle parce que je les vois 3 maintenant. Avec le cœur. J'ai acheté en bleu ciel, en rose pâle et en orange. Mais orange normal, hein, c'est juste que c'est pour Halloween, en fait. Je me suis dit, ah mais tu l'as pas version Halloween et en gros c'est un scandale que tu n'aies pas la version orange pour Halloween. Voilà. Parce que j'ai le rouge et le noir et j'en ai un qui est rouge et noir. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est ce mini book. D'où ça vient? Oh, il est trop beau Lapinou. Merde, pardon. Marc, il est canon. Oh, Utah. Pas prêt. Lapinou. Voilà. Comment se dirait avec Lapinou? T'es pas cool. J'ai pleuré. Oh là 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 là. Mais c'est que Lapinou? C'est... Ah non, c'est pas que Lapinou. Ah, c'est dommage. Déception. Je suis trop sur lui. là là. Toc. Oh, il y en a une qui serait jalouse. Professeur QWERTY va être jalouse. T'inquiète pas, j'y touche pas. Johnny, lui, je sais plus son nom. J'ai pas retenu en fait les noms des autres NCT qui ne sont pas les miens. Et celui de... ça, c'est Marc. Et ce... Oh hein. J'y étais pas prêt non plus. Pardon. C'est quoi ça? Non, ça va, je l'aime pas trop. Ouais, je suis pas déçue, hein, mais c'est que, comment dire, j'avais un peu mal au cœur parce que j'avais fait tomber, je me suis dit, si j'ai fait tomber mon taillé, là, ça va être triste. Marc, il est trop beau. Oh putain. Et toi, je t'aime pas, donc ça c'est fait. Ma vie. Ça, c'est taillé, donc le numéro 2 officiellement, mais comme le numéro 1... Et peut-être mon service militaire, bah c'est lui qui a pris les rênes. Oh putain. Ouais, oui, moi je suis à chamallow quand il s'agit de... Oh putain, Utah. Oh Utah en gros, en plus, j'avais oublié qu'il était roulé dessus. Ah, il est trop beau. Monte ces deux-là, il est trop beau. Ah. Je vais pleurer avant la fin du colis. Il reste beaucoup de choses, Ibi, il va falloir que tu te calmes. Hein? C'est quoi ça? C'est un cahier! Ok! Trop mignon! Enfin, il a pris cher dans le trajet. Et regarde-moi ça, c'est trop beau. Alors, c'est... Ouais, c'est la taille. C'est du A5. Ouais, voilà. En fait, c'est du A5.
Et donc à l'arrière, il y a aussi l'illustration. Et ça fait qu'une seule illustration qui est juste magnifique. Là aussi, ce que j'aime bien, d'avoir le, en haut le truc pour mettre le numéro de la page et la date. Ça, c'est... j'adore. Voilà. Bon. Vous êtes au courant que j'ai déjà des cahiers pour noter toutes mes idées farfelues et étranges. Enfin... Quand je vois ce colis et que je vois que j'ai pris que les petits trucs tout fins, tout plats, tout machin, je m'en sors pas. Oh non, oh non. Je vous montre ce que je viens de voir. Alors, je vais te remettre dans les conditions de ce que je viens de voir. J'étais comme ça, là, et j'ai enlevé ça. Et qu'est-ce que tu vois là-bas? Plein, plein, plein de petits... J'en suis à 15 minutes. Je crois qu'on va avoir un épisode d'une heure, les enfants. Hein, je pense que tu auras déjà regardé l'heure, que tu auras déjà pris un truc à boire, à manger, que tu seras déjà allé faire ton petit pipi avant, etc. Parce que là, je crois que tu en as pour une... Hein, bon appétit. Ça a l'air d'être des porte-clés. Pourquoi elle était mode bon appétit? Tu n'avais plus en stock ou quoi? Oula, j'ai failli couper. Non! Oh, je kiffe de ouf! Il y a trop d'émotions dans ce swap. Je vais faire une pause là parce que j'en peux plus. Clairement, j'en peux plus, je vais finir en larmes. Je sais même pas comment le montrer. C'est un porte-clé en fait avec écrit NCT dans deux couleurs, blanc et vert. Et on a le petit lipstick. Ouais, je crois que c'est lipstick qu'ils appellent ça. Me revoici, j'ai fait une pause, les larmes sont retombées, j'ai aussi envoyé un message important donc à Cuties Manga. Tu comprendras lors du swap en fait, sûrement qu'on doit faire du coup en février. Et j'ai surtout envoyé un message donc à Coralie qui m'a en fait envoyé surtout un message, elle, pour me dire qu'elle venait de recevoir aussi mon colis aujourd'hui. Et moi je lui ai dit, bon bah du coup je voulais te faire la surprise, je voulais pas que tu saches que j'avais reçu le colis, je voulais que tu vois ça lundi avec la vidéo, mais bon je te le dis direct, j'ai reçu. Donc voilà. On recontinue. Donc j'ai mis mon téléphone assez loin cette fois-ci parce que j'ai vu que l'autre jour j'avais reçu des messages et ça avait fait grésiller le micro. Donc là j'espère qu'il est assez loin pour pas que ça embête trop. Mais en fait dans cette pièce-là, je tiens à préciser que je ne capte pas tout ce qui est Wi-Fi, 3G et tout ça. Donc c'est ultra galère pour envoyer un message. Et comme c'était un message Instagram. Voilà. T'ai pas montré, mais là... Ah oui, d'accord, c'est une bougie avec un oiseau. Je sais pas si on verra très très bien. J'ai peur d'ouvrir, vraiment. C'est en fait une plaque... Voilà, je pense que tu as dû voir qui c'était, pas moi, parce que moi je l'ai à l'envers et tout ça. C'était une plaque, tu sais, truc transparent en figurine. Je pense que c'est... je crois avoir aperçu que c'est Chumin. C'est bon. J'allais dire mon renard, non c'est mon écureuil. Oh, non plus, c'est pas mon écureuil, c'est mon hérisson. Oh, il est trop mignon, oh, il a ses petites oreilles de chat. Oh, je suis en amour total. Et ça tombe bien vu que Chumin est parti en service militaire. On est bientôt un an, c'est déjà pas mal, c'est passé super vite. Je vais pas le sortir, je ferai des photos ou quoi plus tard. Je ferai des photos sur Instagram à peu près de tout ce que j'ai eu en laissant quelques jours par rapport à la vidéo pour pas que tu te fasses spoil si tu n'as pas vu la vidéo, tu vois, t'es le temps un peu. Voilà. De toute façon, il faut que je fasse aussi beaucoup de photos pour Instagram pour faire ma collection K-pop en fait. Pour avoir des photos de ma collection K-pop. Voilà. Alors, ça. Me dis pas que c'est encore un cahier parce que bon, c'est pas que j'aime pas les cahiers, mais c'est que je vais un peu me faire tuer quoi. Et qu'il faut aussi que je trouve comment les utiliser. Parce que clairement, ça fait quoi depuis juin, juillet, j'ai quasiment rien écrit. Oups. Alors, c'est oups et pas oups en même temps. Je t'explique. En fait, il faut savoir ça, tu le verras du coup jeudi, que Cuties justement m'a
prêté son tome 1 de ce manga. Et dans la vidéo justement où je te parle de trois nouveautés de Ototo, dont ce titre-là, je te disais que j'avais surkiffé la série. Comme le tome 2 va pas tarder à sortir, je suis joie parce que comme ça, j'aurai pas l'emprunter à Cuties et surtout, je vais pouvoir le garder. Parce que celui-ci, je comptais pas du tout si j'avais acheté moi-même la série, je ne l'aurais pas revendu. Parce que c'est sur les créatures fantastiques et je suis faible. D'accord. Ok, donc tout à l'heure, j'ai cru que c'était un tout petit truc parce que j'ai vu ça, comme ça. Et en fait, non. Mais j'ai un petit peu peur, ouais, pas mal. Hop. Ah, on retourne sur un petit pochon. Yeah. C'est chelou. Putain, ça me fait penser à une vieille chanson française, ça, qu'il y avait eu. Quoi ça? Ah, d'accord. Je viens de comprendre. À chaque fois, en fait, elle me met des petits trucs pour limite les photos Instagram et tout ça. Donc ça, c'est cool. C'est vrai, j'en utilise pas beaucoup. J'en ai une collection, mais je les utilise pas des masses. Et c'est vrai, c'est une très très bonne idée. Et donc, tu as bien fait de me reparler, de me remontrer ça. Ce sont les petits... voilà, ce genre de strass-là. J'en ai foutu deux par terre. Super. Ça va rester encore pendant 3-4 mois. On est que décent, non? Faut que je... Non, de toute façon, je fais le grand ménage de printemps déjà le 31, donc ça va. Et donc ça, c'est quoi? Un bracelet? Ma chérie, si tu me dis pas des trucs des fois, je peux pas savoir ce que c'est. Yeah! Oh non, un collier! Non, bracelet. C'est un bracelet? Je dis pas un collier, parce que là, c'est un petit peu trop petit pour mon cou. À part avec la chaîne, peut-être? Ouais, peut-être. Donc je te montre ça d'un peu plus près, voilà, avec un petit éventail, c'est magnifique. Et tu me vois porter ça? Non, c'est pas en mode méchant ou quoi, c'est juste que je me dis c'est très élégant, doux, raffiné par rapport à moi. Je suis plus du genre brut de décoffrage, donc c'est pour ça, ça me surprend, mais c'est super beau. Après, peut-être que je porterai pas, mais que je le garderai dans ma collection d'objets, inspiration Asie, tout ça, vu que je sais pas si vous le savez tous, vu qu'il y a eu pas mal de nouveaux ces derniers temps, mais j'envisage que ma chambre, quand j'aurai déménagé, sera sur le thème Asie. Et je vais faire un changement de pied, parce que sinon je vais mourir. Voilà. Donc, c'est reparti. Nya. Winter Wonderland. Je trouve trop beau. Ça, je sais pas où elle les achète. Oh, sur mon action. Mais c'est vrai, j'en achète jamais de ça. Et je trouve ça mignon. En plus, ça décore vraiment quand t'as un papier cadeau. Simple, on va dire. Donc, quand tu veux faire vraiment des vrais cadeaux. Pas le genre, tu sais, le truc que t'achètes comme un Noël pour ta famille. Juste histoire de dire que t'as acheté un truc. Moi, je cherche quand même que ça corresponde. Mais... Non, ça va! Ouf! Ah, la peur bleue que j'ai eue! Je t'explique. Donc voilà, ça c'est un miroir NCT. Voilà. Alors je sais pas où elle est shop. Je pense que ça doit être sur AliExpress, un peu comme ça. Elle m'avait déjà offert un miroir comme ça avec le logo, comme ça, de VIX d'ailleurs. Et moi, je me suis acheté ce matin, en fait, des trucs qui ressemblaient à ça. Et comme c'était noir et tout, j'ai eu peur. Et c'était écrit en blanc. Parce que j'ai pris des trucs comme ça, en fait, c'est gros comme ça, normalement. Et c'est des badges. T'as un badge avec... je vais te mettre l'image. Un badge avec le nom du chanteur et le logo. Et un badge avec la tête du chanteur. Donc j'ai pris avec Marc et Taé pour le groupe Super M. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas vrai, elle m'a acheté la même chose que je viens d'acheter. Et non. Et c'est le groupe NCT 127 avec l'époque où ils avaient un drôle de look parce que Lapinou a les cheveux roux et c'est surtout que Taï a une drôle de coiffure de tête. Alors, ça j'espère que c'était pas un manga parce qu'il est un peu plié. Oh, quoique ça a une tête de... Donc c'est cool, ça n'empêche pour le manga, je viens de penser, c'est trop bien. Après c'est Cuties qui va faire un peu la gueule parce que du coup elle pourra me prêter le tome 2. Mais moi ça m'arrange parce que je voulais l'acheter. Comment elle a su que je voulais l'acheter? Attends, j'entends que ça vibre, je coupe ça parce que sinon tu vas avoir plein de problèmes avec le micro.
Mais je suis surpris en fait qu'elle ait eu le courage, entre parenthèses, de m'acheter des mangas, sachant qu'il y avait mon calendrier de l'Avent que j'avais annoncé en plus depuis un petit moment. Je t'ai même pas montré l'autocollant alors qu'il est trop mignon. Oh, pardon. Voilà. Nien ? Non ! Le top 1 de 4-14 Sakura. Voilà. Trop mignon. Hop là. Alors, j'ai vu un tout petit truc. Non, c'était pas un tout petit truc en fait. Je pensais que c'était plus petit. Ta-da. Alors oui, hein, si tu trouves que je fais plus enfantin que d'habitude, c'est que quand je suis en mode cadeau, j'ai 5 ans. Ah, non mais attendez, et je vous montre. On est d'accord. Il y a du scotch de partout. Comment que je fais moi pour ouvrir ça? Ah si là. Alors je suis désolée, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure pour le fond. Mais j'avais enlevé le fond. Où est passé mon ciseau? Si, là. J'avais enlevé le fond pour faire mes deux vidéos donc sur mes figurines. Et je sais plus, je crois que la figurine, je l'ai filmée hier, avant-hier peut-être, je sais plus, sur... D'ailleurs, il est quelle heure? Non, ça va. Donc j'ai filmé la figurine de manga à os hier, et je n'ai pas eu le temps en fait de remettre un fond, mais il faut que j'en mette un spécial Noël. C'est tout mou, j'ai envie de dire, c'est des masques. Ouais, c'est des masques. Des masques à la pastèque. The Beauty Peps. Fruity Mask. Watermelon. Ok. Manin. Korea. Oh. Cool. Bon, bah on n'est plus que sur du gros cadeau. Et moi, j'ai envie de pleurer parce que je me dis que mon colis est minable. Donc, je sens que je vais... lui prendre d'autres trucs et elle aura un deuxième colis de Noël. Ou alors je me venge à mort sur la Saint-Valentin. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je lui fais un deuxième colis de Noël ou est-ce que je me venge à mort? Ça va être la vengeance de la mort qui tue à Noël. Oupsi. Si du coup, c'est une... voilà ça. Mais après, c'est des petits chocolats. Mais Mimi, tu peux pas prendre de chocolat, moi, avec mon ballon. Alors, la tasse, par contre, elle est belle. Et comme c'est une tasse, tu vois, Christmas. Voilà. Et puis, elle est très, très belle. Voilà. Je vais même pas montrer la boîte. Point rouge, on verra bien. Chocolat au lait, je pense. Ah ouais, mais il va être ultra solide. Je vais le mettre de côté. Alors... que je vous explique, que vous comprenez pourquoi je fais cette tête, parce que le chocolat sont solides. Je viens de faire le ballon intragastrique, là ça fait à peine une semaine, donc je suis sur des quantités de cuillères à café, 5-6 cuillères à café, tu vois, c'est vraiment des quantités minuscules, c'est des quantités genre dans les petites, même les restaurants là ultra chic, ultra riche où t'as rien dans l'assiette, c'était déjà plus à bouffer que ce que je bouffe actuellement. Et j'ai testé pour voir par rapport justement aux choses à savoir par rapport au ballon intragastrique que je n'avais pas testé la dernière fois. J'ai testé justement de manger un chocolat comme ça qui était dur et de manger un bonbon solide style créma. Et ça te défonce le bide, ça te retourne le bide, ça te fait mal comme pas possible. Donc je vais attendre tout simplement que le mois soit passé. Et là le mois va être vite passé pour pouvoir les manger en janvier. Ce qui me fera prolonger Noël. Ce qui me fera prolonger Noël. Et bah voilà, pour l'instant, je ne peux pas. Tu vois, même la semaine prochaine, enfin la semaine pour toi où tu vois cette vidéo, le jeudi, je vais passer la journée avec Cuties. Et le midi, ça va être très, 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 très compliqué de manger. Voilà, parce que j'ai des quantités tellement minuscules que c'est impressionnant, quoi. Je mange rien quasiment. Mais. Au moins, j'ai perdu déjà du poids. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, je me suis pesée ce matin en me disant... Ouais, je galère en mettant ouvert. Hein. Je me suis pesée ce matin en me disant, c'est aujourd'hui les une semaine. Mais non, en fait, c'est dans deux jours que je dois me peser pour faire une semaine. C'est quoi ce truc?
Elle est trop belle, la tasse, j'y crois pas. Ah, ça. Et il est trop marrant, ce cahier. Et je n'ai jamais testé des chocolats chauds et j'aimerais les tester un jour, des chocolats chauds. Colle. J'aime bien. Ok, pour mettre ses objectifs. Il va être un peu grand quand même, parce que moi, je suis pas très... comment dire? J'ai plein d'idées. Mais comme je sais très bien, et ça d'ailleurs, j'ai insisté là-dessus pour ceux qui regarderaient cette vidéo, je sais très bien que sur mes deux chaînes, 40% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça serait sympa de faire juste un petit compte sur YouTube pour vous abonner. Parce que mine de rien, eh ben, moi, il y a plein de choses que je ne peux absolument pas faire sur mes deux chaînes à cause de ce chiffre. Et mine de rien, quand tu te dis que, par exemple, j'ai 200 vues, on va dire, par vidéo, mais tu te dis donc que j'ai 100 vues qui sont de personnes qui ne sont pas abonnées. 100 personnes de plus sur mes chiffres actuels, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et moi, j'ai vraiment des projets assez impressionnants dans ma tête que je ne peux pas faire actuellement. Parce que honnêtement, si je demandais une collab, de l'aide, etc., on ne me ferait pas confiance à cause de mon petit chiffre. Et c'est dommage de voir et d'apprendre et de découvrir ça, que des gens qui te suivent ne pensent pas à s'abonner. Et honnêtement, créer un compte YouTube, ça va pas tuer. C'est gratuit. Moi, mes vidéos sont gratuites. Il y en a où ils te font des trucs spéciaux payants. Mais c'est gratuit. Et puis voilà, ça prend deux secondes et ça me ferait très plaisir. Et surtout, bah, mine de rien, moi qui suis en dépression, et depuis des années, ça je pense que vous le savez, bah, me dire que je suis suivie, voir que j'ai des collabs, voir qu'on me fait des fois des qu'on me propose des codes promo ou quoi. Waouh ! Et ben, ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche, ça me rend heureux. Et c'est très positif et vous ne pouvez pas savoir à quel point YouTube déjà a transformé ma dépression et a fait que je suis beaucoup plus stable ces derniers temps. Je meurs. Kurama ! Ce matin, j'étais en train de me dire, est-ce que je craque ou est-ce que je craque pas ? Parce que je veux aussi Yusuke et Kuwabara qui sont là. Je sais qu'il y en a une de Yei, mais je crois qu'elle est ultra chère. Et voilà. Kurama. Je vais la mettre du coup de côté et je vais aller m'acheter ce soir les deux autres. Comme ça, je vous ferai une vidéo spéciale Funko Pop manga parce que j'en ai d'autres. Et là, je pense qu'on va taper sur beaucoup de trucs. J'étais cahier manga ou quoi. Et j'ai plus beaucoup de batterie, donc je joue ce colis et après on fait une pause pour que j'aille chercher la deuxième batterie. Elle est dans ma chambre. Un manga. Oh yo 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 yo. Hopsi. 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 Ben, en fait, Cutis me l'a offert. Psy. Ouais, là ça pique. Bon, on va pas aller plus loin. Je verrai avec elle si elle est ok pour que je vous le fasse gagner ou un truc comme ça parce que ça m'embête. Je vais pas revendre un cadeau, ça c'est clair et net. Donc voilà. C'est avec Cuties, je le dis clairement, il est actuellement sur Vinted celui de Cuties. Mais avec Cuties, on est ok pour que, bah, par exemple, là je revende le sien en utilisant l'argent de la revente pour. Acheter un cadeau pour elle, voilà. Si on est transparent, s'il y a un truc comme ça, même moi, si je lui offre un manga et que ça lui plaît pas, je lui dis, tu peux revendre le manga, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est dans tous les deux dans le genre à revendre. Et là, c'est un autre cahier, c'est le même que tout à l'heure, mais dans une autre couleur. White Everything Down. Je te retrouve juste après avoir fait la traduction, avoir été chercher la batterie et... Est-ce que je viens de profiter de la pause pour pouvoir dézinguer un des chocolats? J'en ai dézingué deux. Et est-ce que maintenant j'ai mal au bide parce que j'ai fait ça? Oui! Tant pis pour moi. Voilà. Au passage, ils sont super bons. Voilà, je tiens à vous le dire.
J'ai eu la curiosité, en fait, tout simplement. Ah, je meurs. Voilà. Un petit bonhomme de neige. Oh, il est trop mignon avec son truc sur la tête. Je meurs. Comme ça, j'ai envie de dire la pâte à modeler, mais je pense pas quand même me offrir la pâte à modeler, ça serait bizarre. Hein? De la bouffe. Est-ce que vous êtes au courant quand même que j'ai fait un ballon intragastrique? Juste au passage, hein. Ah! Moam, je sais pas comment ça se dit. Ce sont... Alors là, ils ont l'air d'être en... Un petit bip, non, je sais pas. Non, ça a l'air d'être en format créma. Ah oui, d'accord, c'est un petit format emporté. D'accord, ce sont des bonbons. Donc voilà les bonbons. Alors j'ai derrière framboise, fraise, cola, orange et citron. D'ailleurs, cola, je savais pas qu'il y avait. Et ça, je connais parce que, en fait, si tu veux, c'est les bonbons préférés de mon neveu. Ah, il a 3 ans et il bouffe déjà des bonbons. On n'en repart pas, hein, d'accord. Chacun sa vision des choses. Et en fait, quand Pandy est morte, donc je l'avais dit dans la vidéo, je vous expliquais que Pandy était morte et ce qui s'était passé, j'ai aussitôt téléphoné donc à mon cousin, qui est pour moi mon frère, mais bon, voilà, c'est mon cousin officiellement, pour justement aller chez lui parce que je ne pouvais pas rester là tout de suite, sur moi-même là-bas. Et en fait, j'ai découvert que mon neveu adorait ses bonbons, c'était ses bonbons préférés. Et ce moment, vu que ben, voilà, Pandy était morte, j'avais besoin, entre parenthèses, de réconfort alimentaire, même si je ne suis pas du tout du genre à voilà, me goinfrer, mais il me fallait un bonbon. Voilà, tu vois, c'est moi, c'est la fraise tagada, une seule fraise tagada. Ou voilà. Et. Donc ça je connais et donc bah voilà. Alors fraises et framboises je vais les donner à Okami et le reste je vais le garder pour quand j'aurai droit. Voilà. Il reste encore 3 trucs. Mais elle est folle. Ça je pense que c'est des stylos. De connaissance c'est des stylos. Et j'ai perdu mon ciseau. Non c'est bon. Je crois que je vais l'attacher à moi à un moment donné un jour. Quand je ferai un swap je me l'attacherai autour du cou. Ça peut être une solution. Voilà. Yep. Tu sais, quand tu essayes d'ouvrir du papier cadeau, mais tu as peur de couper ce qu'il y a à l'intérieur et donc tu essayes de gruger de ouf. Oh putain, moi je pourrais passer ma vie dessus. C'est. Créatimi, je crois, qui m'a vu bugger sur ce genre de choses. C'est les trucs où t'as des paillettes, voilà, t'as des paillettes dedans. Je kiffe. Ah trop bien. Je sais pas ce que c'est, je n'ai toujours pas compris. Ah, c'est un stylo. Non. Et tu Ah si, oui. Oh, il écrit fin et tout. J'ai fait un A. Je me demandais pas pourquoi j'ai fait un A, j'ai pas fait exprès. Oh, trop bien. Et puis ça brille. Oh, moi j'ai 5 ans dans ces cas-là, les gars. Mais moi, tu me donnes ça, mais je joue avec ça pendant je sais pas combien de temps. Bon, on va peut-être continuer le swap. Hein. Il doit être assez long comme ça. Pour que. Je suis en admiration, en kiff total sur la petite tête trop mignonne. Oh my god, ils sont trop beaux! Mon swap à côté, il est minable. J'espère qu'elle fera pas de vidéo. Fais pas de vidéo, Coralie. Fais pas de vidéo avec. Wow. Ils sont juste trop beaux. Mais moi, j'ai juste offert la papeterie, Coralie. Mon swap à côté, il est nul. Alors, tu vas voir que le swap avec petit, je vais être pourri. Pareil, je vais être tout nul. Je m'en fous, à la Saint-Valentin, tu vas voir, je vais pas te louper. Non, parce que là, moi, mon swap, il est tout nul. Franchement, il est tout nul. Est-ce que j'ouvre et que je tente de regarder et que éventuellement je casse quelque chose? Non, ça va. Ah. Trop beau.
Avec plein de petits cœurs. Oh, trop mignon. Ça, je sais déjà où je le mettrai dans mon futur chez moi. Ça, j'ai déjà l'idée. Je dirais bien dans le salon, à côté du meuble, devant la télé, à côté du meuble télé. Ou alors, sa petite table de salon. C'est posé comme ça, ploc, au milieu de la table de salon, avec un plateau miroir dessous, comme ceux qu'on a à Action, qui sont beaux, là, avec les petites bordures. Je crois que j'en avais acheté un ou deux pour faire des photos et aussi pour mon chez-moi. Il était tout petit, donc ça colle pas. Mais voilà, ce genre de choses. Et on arrive sur le dernier. Et je suis contente pour une fois que ça se termine. Parce qu'à côté, le miel était trop minable. Et j'en ai marre. Voilà. Je te jure que j'ai une montagne de cordes. Et j'ai pas tout là. Hein. J'ai pas tout pris. Mais regarde-moi ça. Si tu sais comment réutiliser tout ça, envoie-moi un petit message. Voilà. Alors, tout. J'ai des trucs à l'envers, c'est pour ça. Voilà, moi je tombe sur ça pour l'instant. Hein? The Empire of Corpes. Je sais pas comment faut prononcer. C'est des éditions Pika, une série en 3 tomes et j'ai 2 premiers tomes. Merci Coralie. Et ça, je n'avais pas du tout repéré la série. Non. Ça a l'air pas mal. Attends, la qualité du dessin. Regarde-moi ça. Regarde-moi comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. Waouh, j'adore. Hello. Voilà. Oh, il y a du travail au niveau du dessin, on voit. Wow. Regarde-moi cette scène. On est sur le tome 1, donc je te spoil pas des masses. Hein. Bon, si, quand même. Oh, elle est trop belle. Voilà. Bon. En tout cas, c'est un seinen. Ah, c'est bien. C'est pas un shonen, parce que les shonen, j'ai vraiment du mal avec ça. Et ben voilà. Hein. Maintenant, il reste juste un petit confetti. C'est fini. J'ai réussi à pas pleurer parce que crois-moi, j'ai fait 2 pauses et elles étaient bien choisies. J'espère que la vidéo t'aura plu. Énorme merci Coralie pour ce swap. Je suis désolée, mais il va falloir que je me venge avant la Saint-Valentin. Ou alors que la Saint-Valentin, ça soit aussi monumental que ça. Parce qu'à côté, mon swap, il est vraiment minable. Donc voilà. Je ne t'invite pas d'ailleurs à aller voir la vidéo qu'elle va faire parce que clairement... Voilà, tu vas dire, il y a abusé, c'est de la merde, etc. Mais je tiens quand même pour ma défense à expliquer que j'ai fait un calendrier l'Avent pour Créakimi avec 25 cadeaux. J'ai eu donc Coralie à acheter aussi dans l'année. J'ai un cadeau de Noël à offrir à Jaeger, à Luffy, à Cuties. J'ai aussi acheté récemment pour Professeur QWERTY et j'ai aussi lâché Sévère en fric pour une abonnée que je connais depuis longtemps, depuis le début de ma chaîne d'ailleurs, pour sa fille. J'ai acheté 3 cadeaux et ça a piqué Sévère. Bref, toujours est-il, voilà, hein, c'est juste que j'avais plus trop de sous, mais je vais me venger donc pour la Saint-Valentin. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien entendu, si c'est le cas, n'hésite pas à faire exploser les pouces, au moins pour faire comprendre à Coralie, du coup, à mon paradis ivresque, que cette vidéo et surtout sa générosité était un peu trop extrême. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et bien entendu, son lien, sa chaîne sera en i et en barre d'infos. Sur ce, bye !